Le journal premier occasion, journal Grand Boulevard sur Caraïbes FM rapoursuivre yon haïtien qui vive légalement Chili désormais capable faire demande résidence permanente pour yon famille en Haïti vin vive à Cli Chili. Oui, c'est officiel depuis hier lundi 2 juillet. Hein. Les gens nous dit li yon haïtien qui vive Chili capable demander visa résidence pour yon membre famille qui en Haïti. Yon na exigence yo fait pour moun qui peut le bénéficier document ça, faut que li pas gagne aucune maladie attrapant, encore plus faut que li pas gagne aucun dossier criminel. C'est dans l'ambassade de Chili à Port-au-Prince, visa à livrer après un travail traitement bureau organisation internationale migration OIM qui exigeait un frais qui pas dépasser $100 américains pour chaque membre familial. Ministre des Affaires étrangères chilien Roberto Ampuero qui était parlé avec le journal chilien El Mercurio au papoté trop détail sous durée procédure qui doit démarrer sous place dans le pays Chili. Il fait qu'on est mes yeux ça au prend pour permettre timoun yo passer par la famille en façon pour garantir d'après ça le dit protection yo permettre yo grandir dans dignité et bien-être. Nous gain devoir pour nous garder comment ça fonctionner. C'est première fois on a fait ça procédure demande là à commencer sous place dans Chili côté haïtien avec un statut juridique légal doit écrit yon lettre yon notaire a gagné pour certifier ensuite parents concernés après les bureaux OIM dans Port-au-Prince selon chancelier chilien qui fait qu'on est concernant dossier criminel accenté li important pour moun yo fait demande là pour les prouver et pas gagné aucune maladie attrapant c'est pas tout yon décision discriminatoire c'est plutôt yon garantie parce que nous déjà éradiqué en pile nan maladie dit ça yo selon ministre chilien n'a rappelé avant décision ça dans cadre nouvelle politique migratoire autorité chilienne depuis 16 avril qui s'est passé à obligation été faite à tout haïtien qui a voyagé pour aller faire touriste l'autre bois faut que gagne yon visa touriste, c'est bien sûr contrairement à agence ça te kon fait avant visa pour yon durée yon mois qui pa bay moun nan aucune possibilité pour le travail ni mener aucune autre activité pour rentrer l'agent sinon moun qui est intéressé à travailler l'autre bon yon doit faire une demande visa directement dans ambassade chilien à Port-au-Prince pour raison humanitaire accompagné à qui ont permis séjour pour 12 mois. Donc on dit nouvelle disposition ça li capable réduit et commencer réduit flot haïtien qui il y a des saillots à débarquer par ban et pas paquet pour aller chercher la vie dans le pays Chili. Selon statistiques police investigation chilien PDI, y a un total 104 782 haïtiens rivés Chili pour seulement l'année passée, l'année 2017, l'an soit 114% en plus par rapport à quantité qui était rentrée dans le pays ça y a l'année avant qui donc en 2016, y a un chiffre qui estimé et à 48 783 haïtiens qui l'année 2016 l'ont arrivé dans le pays Chili. Donc voilà pour nouvelles dispositions qui vient pour avec migration qui bail facilité à chiliens en fait de haïtiens qui vivent l'autre bois hein, pour désormais capable voyer rentrer par un yo qui et à vivre en Haïti. Dossier international, gouvernement chilien a annoncé kounya haïtien qui vivent Chili yo capable rentrer famille sur territoire chilien mais quelques conditions qui étaient posées. Fok fami sa yo pa gen kaze judiciaire ni fok pa gen aucune maladie attrapant. Selon ministre Amplelo, décision sa a été prise par gouvernement chilien pour ti moun yo pa séparer de fami yo. Nous pral parler koulia éducation puisque dans 5 minutes li pral faire 7 heures yon question qui traitement finalement ministère éducation nationale fait concernant dossier plusieurs milliers candidats qui t'est trouvé dans cas spéciaux pendant dernier examen baccalauréat yo qui déroulé semaine qui s'est passé à candidats qui t'est trouvé yo dans situation ça alors que dossier yo yo t'est correct yo t'est exprimé crainte yo gagné pour ministère t'a traité avec légèreté et dossier. En attendant, nous gagnons
informations concernant dossier ça, comment il a traité au niveau du ministère de l'Éducation nationale avec responsable éducation Fondi, processus correction copie, il est censé démarrer jeudi, il y a l'autre étape assez importante dans le système pour évaluer candidat dans examen l'état et déjà gagné de préoccupations c'était candidat et il a même eu exprimé sous déroulement correction après déroulement épreuve n'a pas semaine passée qui était marqué par un pile irrégularité. Il y a des gens qui prévoient déjà un taux échec élevé dans l'examen SAIO. D'ailleurs, si vous copiez en pile, nous t'ai parlé de ça dans le commentaire, nous t'ai fait sous dossier, mais encore maintenant, nous faisons un devoir pour nous retourner sous sujet ça qui quand même c'est un problème national. À qui ça, ça a servi, ça a servi pour l'État à dépenser plusieurs millions de gouttes pour évaluer de jeunes qui ont même à peine gagné niveau pour rentrer dans un cycle universitaire, pour ça qui gagnaient chanceux, mais majorité dans jeunes saillants après baccalauréat, ils ont égaré dans la nature. Très rapidement, parce que pas gagné temps, nous pourrions parler à Cléo Litolu, pour parents, élèves, l'école, Nissage Mathieu, responsable réseau national éducateur haïtien. Et puis mettre Pélex Fleurem, avocat Nabarro, Port-au-Prince, nous découvrit semaine ça, nous plaidoyer la fait sous absence texte de loi pour sanctionner Timoun Yokembe, cap copier en flagrant délit. Monsieur, bonjour, et nous content gain avec nous là, Mathéan, sous boulevard là, pour nous parler éducation. Donc bonjour, nous, n'importe dans nous qui répond, gain Léo Litolu qui sous téléphone. Léo Litolu, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Tissel, bonjour c'est deux mondes qui sont panel là, c'est Maître Fleurem. Bonjour Maître Fleurem. Bonjour Monsieur Pierre Renel, bonjour Gary, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Caraïbes. Mathurin, bonjour, c'est avec vous qu'on a commencé et pour nous cap situer sujet à matin puisque dans en conférence pour la presse que nous baille dans nos réseaux national éducateurs. Bernard Goulbert. Oui, non. Alors, et Mathurin, c'est porte-parole. Ouais. Et nos conférencières, nous baillons, et sous organisation et examen baccalauréat, nous présenter un bilan négatif. Donc, nous pas parler de bilan catastrophique. En effet. Les catastrophiques, parce que, les n'a pas considéré tôt cas spéciaux, n'a pas des ministres là, qui dit que tous cas spéciaux, il était pensé que c'est 300. Imaginez, il passait de 300 à 5000. C'est pour la première fois, ça fait dans l'histoire de l'éducation haïtienne, pour, pendant une période d'examen, on constate que 5000 cas spéciaux. Et ceci, cas spéciaux, ça y a traité, s'il vous plaît, non, dimanche, qui fait que dans lundi gagné catastrophe ça ou t'es observé peut-être un peu le monde t'a observé côté que on paquet de monde a prend bourade pour poussade pour joindre côté pour le composer yo pas qu'à joindre yo voyer dans divers collèges li école nationale et que ça l'était catastrophique parce que si mon nan l'elle pas le composer faut li en sécurité. C'est un problème. Donc un problème nous dénoncer mais comme dirigeant qui ça nous identifier qui à la base problème ça et qui ça nous proposer. Bon. Normalement moi-même dans intervention nous René réseau national des éducateurs haïtiens nous t'ai proposé ministre là pour les monter pressé une commission d'enquête en dedans et ministère là parce que nous estimons que son boycottage là il pas trouvé l'autre côté que en dedans ministère éducation nationale parce que ça yo ka arrangé vrai pour boycotter ministre pour boycotter pas connait mais moi-même ça nous recommander c'est monter une commission d'enquête pour découvrir qui côté boycottage là les trouver. Et l'autre bagaille nous voulons noter encore c'est un côté que le jour même le déroulement des examens hein, et ministre là l'été dit que c'est professeur cap dans salle de classe cap dans salle de surveillance et Fortawell c'est ça là, non c'était vraiment contraire.
c'était vraiment contraire à sa ministre là lui-même l'était déclaré. Non parce mais que... étudiant qui n'a sciences éducation, étudiant dans l'école normale, il a habilité à participer dans ces élections. Ça c'est dans théorie. La théorie, il y aura habilité, mais dans la pratique, c'est pas ça que tu fais. Parce que, on me dit au guerrier, alors, Renel, nous-mêmes, nous faisons le déplacement pour nous regarder. Et moi-même, moi, dans le lycée Carrefour, le lycée Henri-Christophe Dikeni. Nous pas recevoir une grande lettre de surveillance. Qui est-ce qui a fait couillot? Et pas professeur? Nous pas recevoir une grande lettre de surveillance. Nous recevons 5 lettres, lycée a recevoir 5 lettres, il y a 2 lycées, le chaque recevoir 5 lettres de surveillance. Mm-hmm. Alors, passe pas lettre de surveillance, laissez-le les lettres de renforcement. D'accord? Après ça, 0 lettre de surveillance. Mm-hmm. Imaginez-vous qui est-ce qui est dans la salle de classe qui a surveillé. Pour monter, justifier ça, nous prenons 3 écoles, nous prenons 2 lycées, nous prenons collège. Okay? Collège, nous prenons, c'était le réaliste. Et qui, les mêmes, c'est un paquet surveillant pépé, nous relais au surveillant pépé, parce que nous avons une éducation, vous comprenez? Et là, dans le collège de réaliste, même présent, surveillant pépé, vous êtes présent, non? Et vous voyez, un secrétaire, s'il vous plaît, même non, il n'y a pas bien écrit, non? C'est catastrophique. Oui, bon, on a allé dans le téléphone, non? Léo Litoluche, matin, lui-même, il veut faire intervention, non? Autour de correction, examen baccalauréat. Il était parlé avec nous, c'est ça, il était surtout dit nous, et c'est pour ça, il est là avec nous, matin. Léo Litoluche, donc, au même, on voulait mettre focus sur un problème qui découlait même de système éducatif, là, mais, poser problème correction dans un système qui pas marché, est-ce que c'est pas tourné en rond et au lieu de garder correction, est-ce que le patapi bon pour nous est système nan, en lui-même, donc si système n'est pas bon, correction n'est pas bon et examen baccalauréat, examen officiel, il y a toujours un problème là-dedans, yo, Léo. Bon, Pierre-Enel, ça dit à l'important, mais cependant, et comme un changement libre en temps, c'est pas aujourd'hui, il n'est pas maintenant pendant la période de correction baccalauréat, il n'y a pas de changement. Parce que nous recevoir certains parents et élèves et qui en principe qui dans cas dans élèves qui légal parce que d'après information nous gain dans plusieurs milliers de monde qui était participé dans cas spéciaux il y a pile là-dedans qui pas de conditions pour y ont participé normalement dans l'examen et que en pile là-dedans ont été quitté sans examen spécial qui était fait pour eux. Et cependant il y a inquiétude pour ça qui est normal. Bah il y a le ministère de l'éducation nationale toujours bon pratique alors et d'après et monde qui participe dans cas spéciaux ils ont toujours été dans tête yo et moi-même j'ai un légitime vraiment qui concerne ma connaît est-ce que a déjà l'a changé. Donc, Feyo, pas un traitement spécial par rapport avec élèves irréguliers. Donc, moi, mes affaires, ça a été touché nous, les parlants sont avec nous. Moi, je me dis que, normalement, faut nous lancer un appel par le ministère de l'Éducation nationale là, pour le prendre en compte et doléances et inquiétudes du monde d'ailleurs. Pour nous prendre en compte inquiétudes et puis faire du monde. Pour le ministre, direction enseignement secondaire BUNEX, direction départementale qui est responsable et pour choisir correcteur, pour corriger Feuille Timonio, et Timonio pour prendre en compte et puis les a publié résultat. Parce que Timonio est toujours dit, c'est pas ça. Et depuis on a cassé sur le type, et les ouais japonais. Parce que c'est comme si son monde a pas oui. Donc, et ça fait nous-mêmes, nous commandons le ministère de l'Éducation nationale là pour. Il prend en compte l'inquiétude de Timounio et pour faire un traitement spécial. Un traitement spécial. Un traitement spécial veut dire qui ça? Non. D'un coup, pour le ministre, on a fait Timounio et combien lié et puis pour publier le résultat de Timounio pour le cas. Et nous-mêmes, nous n'avons pas du tout pour nous suivre, pour nous voir combien de Timounio qui étaient participés légalement qui dans l'examen. Et puis, et les a publié résultat du monde d'ailleurs pour mise au courant et puis nous mettons tout pour nous courant pour nous connaître pour et tout chaque travail normal pour réussir ça pas réussir si admis pour attester
dans la journée pour la journée. Parce que j'aime de là, mais psychologiquement, il y a quelqu'un qui participe dans le cas. Et si on parle de ça avec des, depuis des années, il dit il n'y a pas de résultat examen. Donc, et d'ailleurs, il n'y a pas publié le résultat parfois. Même là, ensemble avec tout le monde qui est régulier, c'est ça qui est anormal. Et deuxièmement, c'est pour les correcteurs et Pierre Renel. Parce qu'il y a un petit monde qui compose, qui parle ici, c'est faute ou c'est des correcteurs qui parlent en un pour eux au point de vue académique, qui partent de professeurs et puis au point et mettez une sacrifice à tout le monde. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons fait, on sait des propositions par le ministre de l'Éducation nationale, là, parce que pour tout le monde qui parle de la correction, ou bien ça qui est là, surtout ça qui est là, déjà, pour aller, pour demander, remettre un dossier, papier universitaire, côté où tu as fait pour, papier et diplôme baccalauréat, parce que c'est faux diplôme baccalauréat, faux diplôme universitaire, ou bien, il y a nommé comme professeur, mais maintenant, je vais en mémoire. C'est même pas qu'il y a un témoignage. On dit que Nicolas a fait dans moi. Côté grand, qui était dans la correction, baccalauréat, il a retiré, monsieur. Parce qu'il n'est pas capable de gagner un niveau. Ni le pas nommer tout. Bon, malheureusement, et en 2015, il a venu nommer, monsieur. Et il a venu réintégrer dans le processus de correction pour continuer à sacrifier le témoignage. Donc, il faut bien l'éducation nationale, parallèlement avec décision, là pour l'améliorer et système dans français et ça qu'a fait ça faut le mettre accent tout sur quantité correcteur au point qui bagne à quel niveau et puis c'est au même cap sacrifier les timonio par exemple les timonio c'est au point des points et il manque pour réussir et puis c'est comme ça à cause de en pile correcteur qui bagne qui pas bagne un bout avec correction. Parce qu'il y a des gens, ou bien il y a certaines organisations et qui vous ont fait pression, ou bien députés tout, députés pour Pierre n'est pas bon. Imaginez, ça a deux ans, on est qui m'a demandé la correction des vieux pour me faire une intervention pour lui, m'a gardé le dossier, monsieur, c'est pas bon. Et puis, dans quelques jours, moi, j'avais une lettre qui parle de la correction des baccalauréats. Donc, on a imaginé. Mais quelque chose là. Et puis, nous devons, pendant sous même lancé à tout Guérinel, et sous, il y a une décision, où tout le monde qui n'a pas vraiment des fondamentales, s'il n'a pas réussi, il n'a pas fait troisième année. Il n'a pas rentré dans la troisième secondaire. Mais, si faut battre tout le monde, une deuxième chance, j'avais noté, un document de criminalisation de l'éducation nationale, nous débarrassons, je suis en train de demander pour le réclamer reprise, et pour tout le monde, par exemple, tout le monde, qui est obligé de perdre. Qui va voulu par ça, qui va voulu par qui intérêt ou bien, ou va voulu tendre et examen reprise là. Et le ministre de l'Éducation nationale a dit que volonté manifeste pour dire organiser examen reprise là. Bon, il a fait même temps, mais il s'en réagit et puis, ou est-ce que, par exemple, pile par un pile, le petit armée, ou mettez, oui, à des ça, examen reprise, c'est ça. Donc, les font se laguer, mais il y a de l'autre monde là, dans le panel là, d'ailleurs, où t'es salué. Fonti Campé n'a pas tourné avec vous tout à l'heure, c'est parce que justement t'as un problème dans l'examen ça yo et qui fait t'as un débat et vraiment hein, et sur internet là côté en pile monde t'a intervenu pour critiquer organisation examen il y a une image qui t'est fait tout réseaux sociaux c'est jeune ça il a été découvert avec un pansement dans nos oreilles et t'as connexion avec on parti dans col donc il était venu avec appareil ça pour être capable et copier et mettre Pélex Fleurem donc c'est ou même n'a recevoir tout de suite ou pensez li important pour ta légiférer contre pratique candidat qui a copié dans examen alors que
ministère de l'éducation nationale il définit sanctions qui doivent prendre compte le candidat fautif. Par exemple, même qu'on ait une sanction, c'est que au candidat au Québec en flagrant délit, il a fait 2 ans, il n'est pas à le composer. Est-ce que c'est pas plutôt un problème d'application au lieu d'un problème de loi, j'en posais dans le plaidoyer là? Ok, Pierre Renel, effectivement, tout le monde a regardé les réseaux sociaux, il y a remarqué un jeune garçon qui était un passement dans les oreilles, côté que passement ça que le dégain, t'assembler un téléphone qui connectait là-dedans. Mais ça qui t'a attiré l'attention plus, c'est professeur que m'te ouais qui t'a fait élève ça ranger pansement et puis il a filmé. Ça c'est la première chose. Il a fait le ranger puis il a filmé. Mais faut me dire nous tombe pas venir là pour me venir faire ça au relo une propagande pour monde qui a triché. D'ailleurs, me compte ça parce que yon monde qui a triché. Avocat du diable. Non, on pas venir faire ça là du coup. Mais ça qui est un problème c'est que qu'est-ce que la loi dit sur ça? Est-ce que Jean-Michel était fait là pour prendre un jeune garçon qui sont élève qui a triché ou filmé ou censé humilier? La police conduit, prend le mener dans la machine la police, jusqu'à ce que, bon, par contre, si vous êtes baillé, vous ne pouvez pas trouver ça, mais je parle de ça, moi, dans la vidéo, jusqu'à ce que vous traînez dans un commissariat et vous arrêtez. Bon, par contre, suite, yo. Mais automatiquement, je me dis que, waouh, bon problème là, dans le pays d'Haïti, pas gagner le droit sous question, moun ka poule dans l'examen. Ça n'existe pas. Pas de pièce côté dans le corpus juridique haïtien, ou abjoint côté que ou dit, si on moun a poule, mais qui peine, mais qui sanction pénale qui est réservé pour. Automatiquement, me dit, intervention de la police là, il pas bienvenu. Ok? L'autre bagaille encore, quand élève ka poule, c'est pour bagaille pour filmer, mettre sur tous les réseaux sociaux. Élève là, faut bagaille qui mal, j'en saute dire à Pierre Winel, ministère de l'éducation nationale, il y a des mesures disciplinaires que vous prenez contre ça. Mais mes mesures là, si vous analysez sur le plan juridique, sont mesures administratives qui t'a supposé qu'il y ait recours. Qui t'a supposé qu'il y ait recours. Mais dans le droit, nous pas gagner ça. Il est important pour que t'as légiféré sur ça, au lieu que vous t'avez cherché à humilier des jeunes qui a poulé. Poule là, il n'est pas normal. Deux gains de sanctions, certes, mais arriver à arrêter la police humiliée, je ne sais pas qui sera là, qu'elle connaît pour le faire. Qui ça va devenir? Et ce bagage qui fait un pile bruit sur les réseaux sociaux et qui très, et comme on t'a dit ça, ça cagé dans l'école, puis on dit waouh, est-ce que vraiment la police doit intervenir dans l'école? Est-ce que la police doit arrêter l'élève? Gagné du Paul. Ah bon, même le gagné du Paul, qui le roi? Et du Paul ça? Sous base qui le roi le crée? Qui limite? Mais on parle de tricher tout. Tricher, à qui tricher? L'homme, vous voyez, je regarde son lot élève. Son forme de tricherie. L'homme, on vient, on copie un mot sur papier, ou tricher. Monsieur, avec mes téléphones, on tricher. Mais qui ça qui détermine ça? En droit, il dit que depuis pas gain droit, depuis pas gain texte de loi, pas supposé gain peine. Et pas gain infraction. C'est que gain des mesures disciplinaires, c'est mesures, ça, qui supposé appliquer pour jeune homme, et même la justice, la loi, même bonne possibilité pour capable gain recours. Pas gain société sans recours. Quelle que soit décision que vous prenez contre moi, on connaît qu'il y a 2 pays qui ont loi sur ça, c'est la France, et Maroc. Bien sûr, il y a plusieurs pays qui ont loi sur ça. Par exemple, en France, ils ont légiféré sur sa fraude dans l'examen. Et leur légiféré sur ça, qui ça le dit même? Il dit que si vous avez copié ou bien triché, vous avez payé 9 000 euros d'amende et vous avez pris 3 ans en prison même. Mais malgré que vous avez ça en France, vous avez une université en France côté que vous avez laissé appliquer ça, ça te fait un gros tollé. Yo t'es arrêté, étudiant. Ça t'est tellement fontonné, t'es que les gros autorités dans l'État, qui t'est intervenu, qui t'est même mandé, puis yo t'es libéré l'élève ça, mais étudiant ça, et yo t'es pris des mesures administratives contre lui. Et puis nous-mêmes en Haïti, même ça qui t'est problème, pour qui raison, jeune garçon, comme ça, pour filmer, son professeur, on pas connaît jamais, monsieur, à saut parler, est-ce que c'est un faux professeur, qui pas connaît ça, ça veut dire élève? En tant qu'avocat, juriste, si, dans le cadre de, un projet de loi, et pour sanctionner, mon cap, copie dans l'examen officiel, qui soit recommandé? Comme sanction. Ça, c'est un bagage que vous supposez faire à tête reposée. Parce que ça, c'est un problème de société. Ouais, société, nous, Pierre-Renel, son société, côté, mon tricher, dans tout niveau. Dans tout niveau. D'ailleurs, 3 cas élus, nous, là, sont bonnes. Bon, pas dit 3 cas. En pile, nan, yo, là, sont bonnes, nègres, tricher, puis, ils vont pouvoir. Ouais. En pile, nan, yo. Ou cap, gade, nègres, tricher, dans maquette. N'y a machine, moi, là, qu'après, les, va vle à craquer, on pompe gaz, mal fait gaz. Ça, y a des lois pour eux. Par exemple, l'on prend, par exemple, machine, non? Machine, non, que mal fait gaz, non, pompe gaz, glou, non, gaz, là. Ça, lui-même, son forme de abus de confiance. Il y a une loi sur ça. Mais qu'est-ce que triche dans l'examen pour qu'on ait une loi? Moun qui l'a pour faire loi, c'est parlement. C'est pour ça, yo, payer, yo. Yo, payer, yo, c'est pour yo faire loi.
sous question ça y a pour y réfléchir. Y a qui doit pas gagner assez de capacité pour y faire, même croire au barreau comme tout, pour y mettre des experts, beaucoup de théo pour y ouais qui j'ai au café loi sous question ça. Mais, j'aime te dire là, son bagage que je supposais aborder avec tête frette parce que son problème de société. Question tricher dans question l'école. Donc, problème de société, bon, sujet assez intéressant, mais ça, on peut permettre que nous, approfondis-les. Léo, Litoulu, question tricher, tricherie, et y aurait des parents qui encouragent Timounio à aller dans ce sens ça. Qui responsabilité nous, comme parents? Bon, moi-même, tricherie, par exemple, moi, c'est des Timounio qui pas passé dans l'examen, office, par exemple, quel que soit l'examen, 9e ou bien 3e seconde, bien là-dedans, c'est parents qui, maïkop, qui fait faux canet pour eux. Par exemple, pour exemple, à dépasser, il y a un 30 timoun qui sont pour du père, et qui louent un bus, qui viennent composer dans l'examen ici, et ils payent $1,000 pour rentrer ici. Mais 30-40 timoun, ils ont une complicité parents. Donc, ça veut dire que, et parents, et timoun, c'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures administratives qu'on est pour rien, mais t'as dit, il n'y a pas de loi pour ça. Cependant, et professeur, et ou bien surveillant qui t'a fait, il est là, mettre et pansement bien pour y filmer là, lui-même tout, par contre, c'est pas dans ma gueule, il arrive là. Même pas quoi, il est là tout, ni plus méchant parce qu'il est calé. Ou à remarquer, il est calé. Il y a été acquis dans le paquet de drapés dans la zone gravine, tandis que le fait qu'il y ait l'argent, le fait qu'il y ait pouvoir, il y a des gens qui ont un groupe de capoël, ils ont libéré. Donc, d'après toute information, la libération, tout ça, la paix, tout ça qui a passé. Donc, de même genre, de bien souvent, c'est plus petit, il y a pénalisé, mais cependant, et moi-même, ma vie prend en position d'un coup pour me dire qu'il n'y a pas de sanctionner les élèves-là, parce que si les élèves-là qui font pas comme ça, et il n'y a pas de prendre des sanctions contre lui, eh bien, c'est l'élève qui arrive dans l'université ou bien arrive dans le poste de responsabilité dans l'État, ou il faut chèque ça après. Donc, moi-même, l'image, c'est ça.